sentais que l'autre, le petit melon, il y en a plein. Bon? Mm-hmm. Non, c'est bon. Bye, Valde, ta joke, tu vas. Je suis pour c'est déjà parti? J'ai oublié. Ah oui, je viens de l'école par Marquette. Mais ma question, ce serait pourquoi les... je veux dire, quelle technologie avez-vous? Avez-vous des ordinateurs, des télévisions comme nous, ou encore des cellulaires, jeux vidéo? J'attends votre réponse. Ma question, qu'est-ce que vous faites pendant les temps libres? Je voudrais savoir, aimez-vous aller à l'école? Puis la question que j'aimerais vous poser, c'est comme, quel est le travail que comme vous voulez pratiquer en général et pourquoi? Puis ma question, c'est, quelle est vos matières principales à l'école Sénégal? Je voudrais savoir à quoi ressemble votre maison, enfin, si je pouvais avoir des images. Voilà. Et ma question, c'est quel sport, votre sport préféré? Bonjour, je m'appelle Mamia Sinsal. Mon pays est le Sénégal. Je suis âgée de 10 ans et demi. Plus tard, je veux être sage-femme pour mieux aider les femmes enceintes qui souffrent beaucoup. Je veux être l'hôtesse de l'air pour aider les gens qui sont dans l'avion. Plus tard, je veux être un docteur parce que j'aime bien un docteur. Je veux soigner les personnes qui sont pauvres. Mon passe-temps préféré, c'est coiffure. Mon passe-temps préféré est basket. Mon passe-temps préféré, c'est coiffeur. Mon passe-temps est préféré, coiffeur. Mon passe-temps préféré, c'est karaté. Mon passe-temps préféré, c'est le football. Mon passe-temps préféré, c'est le basket. Bonjour, je m'appelle Abdou Karim. Plus tard, je vais être un docteur. Je vais être un docteur parce que j'aime bien aider les personnes malades et ce métier, je vais le faire à Saint-Louis. C'est mon père qui m'a influencé et lui, c'est un enseignant. Je vais travailler pendant 15 ans pour faire le docteur. Cher ami du Canada, c'est bien de m'avoir posé cette question et je t'ai répondu. J'ai choisi le métier plus tard d'enseignant. C'est mathématiques. Mon matière préférée, c'est mathématiques. Mon matière préférée, c'est français. Mon matière préférée, c'est géographie. Mon matière préférée, mathématiques. Mon matière préférée, c'est mathématiques. Mon matière préférée, c'est problème. Mon matière préférée, c'est opération. Ça fait chaud au cœur de voir la famille qui danse comme ça. Mais, on a eu de la chance d'aller au Sénégal, de vivre dans les familles, d'être avec les enfants, de travailler dans les écoles avec les professeurs. Ouais. Toi, quand tu regardes ça, est-ce que tu penses que les enfants du Québec aiment mieux l'école que les enfants du Sénégal? C'est une bonne question, ça. Puis c'est pas facile d'y répondre parce que c'est tellement différent la réalité là-bas. Les écoles sont pas faites de la même façon. Les professeurs agissent pas de la même façon non plus avec les élèves. Le système d'éducation est différent. Les classes sont à air ouvert. Ouais. Le matériel scolaire est pas le même.
Ça reste qu'il y avait quand même des petits enfants qui étaient pas mal tannants des fois. T'en souviens-tu? Ouais, je m'en souviens. Ben, c'est un peu la même chose qu'au Québec, hein? Ouais, des fois, il y en a qui ont hâte que la cloche sonne pour pouvoir aller jouer dehors. Ouais. Et il reste qu'il y avait quand même des élèves qui posaient des questions, qui étaient impliqués. Ouais. Moi, ouais, c'est vrai ça, qui attendaient juste qu'on les choisisse pour qu'ils puissent aller au tableau répondre aux questions. Ouais. Ouais. Tu sais, tous les enfants voulaient faire un métier plus tard. Il y en a qui voulaient être médecins, d'autres qui voulaient être pêcheurs. C'était vraiment varié, en fait. C'est ce qui rejoint tous les enfants du monde, je pense. Hein? Ils ont tous des rêves. Mmh. Ouais, c'est vrai, ça. En tout cas, il faut qu'ils travaillent fort pour y arriver. Ouais. And the way I'm behaving sometimes drive me think I'm crazy. Sadness of life fills my eyes with tears, they say. I've been crying when I saw these people. Yeah, could you help me find a definition of this world we live in? And I'm asking what people are doing with all the skills that I've been given. Everywhere you go, stronger people oppress the weak ones. And everybody sees it like something fading on. Just life goes on. Go on, nobody could understand what's really going on. With this corrupt and pitiless world where everything is going down, I can no longer make the difference between good and evil. And it seems to me that the world is there by day having a kiss with the devil. I have several questions, and I need an answer. I have been so much worried, shouldn't be taken into account. So, life is like a struggle, sometimes you win, sometimes you lose. You can find many ways, but in any case, you have to choose. Things getting worse, some people got lost. And you're trying to find the issues, but all the doors got locked. It's survival.